In edis javardar dun, alfa dal lire e fase kin, vidir enu inu anor, aferin ilit keri, ea galat veduio amma, id ilit eria, harnar in athanest of van, ai nai uem dire dar, thank you.
Le grand sphinx. Plus petit que je ne l'imaginais. Bouge poteau. Le grand sphinx. Mais je m'en fous la gueule. Demain, je m'en fous la gueule, j'en ai un buzz. Je perds du temps, mais c'est pas grave. Si je veux débusquer la hyène, je dois aller parler à Mered, l'homme d'Apollodorus. C'est un négociant qui se trouve quelque part sur ce marché. Bienvenue chez Mered, voyageur. Alors, qu'en penses-tu? Rien. Alors va-t'en. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire, au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est Calicet. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Tu feras ce que je te dis. Si Apollodorus veut que je continue à le servir. Oh. Non, le karma pas trop fait. T'es un ami de Mered? Pas vraiment. T'es un allié nécessaire. Les alliés de Mered sont rarement des protecteurs. Ils se méfient des autorités. Mais ils payent bien. Et à Gizeh, rares sont ceux qui payent. On ne peut faire confiance à personne. Que savez-vous sur la hyène? Celle qu'on nomme... Oh, protection! Derrière moi! Oh, c'est l'ennemi! Je dois partir! Il faudrait bien d'être prudent par ici. Que savez-vous sur la hyène? Celle qu'on nomme Calicet. Nous irons les nourrir, les hyènes, si nous parlons. Allez, ouvrez l'œil. Il faut qu'on retrouve ce cheval. Mais moi j'ai pas le temps pour ça.
non, mais pas lui. Attaque à vue par ici. Inutile de fuir! Doit être le cheval de Mered. Il a omis de me dire que ses clients étaient des brigands.
Non, il est interdit de venir ici. Oh. Hein, Maker ? Sur lui, vite ! Mais descend ! Mais baisse-toi. Je vais te tuer. Quand j'ai je vais faire un truc ça. J'aurais pas dû venir ici. Être le cheval de Mered. Il a omis de me dire que ses clients étaient des brigands. Regardez-moi ça. Tu avais oublié de dire que c'était des brigands qui l'avaient. Une simple omission. Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, 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 bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi, ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Et tâche de rester en vie. Hey ! C'est mon cheval ! On ne peut pas voler ce qu'il a déjà été, Mered. Oui, oui, Bayek. Je t'en prie, ramène le cheval à l'écurie pour moi. Thank you.
bannière de la hyène. Mais il n'y a aucune trace de Calicet. Pour une fois, Mered ne m'a pas menti. Il faut que je découvre où elle est partie. Pourquoi aurait-elle enfermé un de ses loyaux serviteurs? Je ne veux pas mourir! Jai, merci de ta pitié. La hyène, où est-elle? Je ne sais pas, je... Il ne reste plus que moi. Elle a emmené les autres il y a plusieurs heures. Elle les a emmenés où? Elle va les tuer. Je le sais, elle... Elle... Ses mains, par les dieux. Elle a tant de sang sur les mains. Calme-toi, mon ami. Tu es libre. Je me charge de Calicet. Où Calicet emmène ses captifs? Et pourquoi? Tombeau de Khéops. Elle a indiqué chaque fissure. Elle n'a pas terminé. C'est là que je la trouverai. Je vais aller vers les pyramides. Des hyènes. Calicet doit être à l'intérieur. Entrer ici, où le silence est de rigueur pour elle. Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver. Tu peux te cacher, Yen, mais ce tombeau ne te protégera pas. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée. Il n'y aura pas de pardon pour Siwa.
Pauvre idiot, je suis Izette, maîtresse de la magie. Ce lieu est la demeure des dieux. Quel mauvais tour est-elle en train de préparer? Va-t'en! Nul ne doit déranger Osiris! Cette porte piégée, qu'est-ce qu'elle protège? Mécréant! Celui qui est éveillé dort! Si tu fais encore un pas, ton sang irrigera. Quel est cet endroit? Un tombeau en dessous d'un autre. C'est ici que tu te caches, Yen? Quelle horrible folie s'est-on livrée ici? Dans ce lieu obscur ouvert au regard des dieux. Quel genre de rite peut-elle exécuter? ...95 jours écoulés depuis encore chaud. Et ce couteau cérémoniel, un sacrifice. Des offrandes à Osiris, le protecteur des morts. Les murs ont annoncé votre venue, à notre époque. Ce sarcophage est décoré de déesses de la mer. Il est couvert de symboles étranges. Oh, nous leur fichions. Ces murs ont une histoire tragique. Une histoire retranscrite sur nos structures, sur nos artefacts. C'est Calicette qui a tracé ces symboles. Essayait-elle d'en découvrir le sens? Je crois avoir compris ce que Calicette cherche à faire ici. Calicette exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins. Elle a essayé d'apprendre ces étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle. Dès qu'elle a appris les symboles, elle les a gravés ici. Et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Calicette devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici ? Tu as perdu ton enfant? Non! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'ordre! Ravagez ce tombeau! Calicette! Ne prononce pas mon nom! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré! Je suis une bonne mère. Alors! Chien!
n'est pas différent de ceux qui t'ont précédé ici. Tiens, affronte-moi si tu y tiens tant. Ton sang servira à la résurrection de ma fille. Je t'enterrerai dans le sable. Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille. Inutile de mêler les dieux à ça. Les dieux ont été bafoués. Tu as souillé. Le dieu ouvre. Tu cherches à accomplir l'impossible, Calicette. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. À mes côtés. Sois heureux. Ton sang aidera à la ramener. Ta fille est morte, Calicette. Rien ne te la rendra. Rien. Je sauverai ma fille, quel qu'en soit le prix. Maintenant, je t'ai assez entendu. Alors mon arme parlera pour moi. Voilà l'homme qu'on envoie me tuer. Les buffes de mes hyènes sont plus féroces. Il serait mieux de te rendre, Calicette. Je connais ta souffrance. Tu ne sais rien de ma souffrance. Aucun enfant ne voudrait voir sa mère agir ainsi. Ne me tue pas. Vais-je marcher parmi les morts? Une fin juste. Tu as profané les morts. Et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il fallait t'en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée! C'est sans importance maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois, j'ai échoué. Osiris ! Accorde-moi ces retrouvailles ! Je marche seule dans les champs de roseaux. Fais gérer à jamais dans la douate ! Je veux retrouver ma fille ! Pitié ! Puisses tu retrouver ta venir de la douate de guider.
Yeah.